عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. Bienvenue dans notre série de conférences relatives aux règles du nabr et la précision de la récitation coranique. Nous vous rappelons que cette conférence est une traduction de la conférence présentée par professeur Walid Mokbeleddib en langue arabe. Et si vous voulez la voir, eh bien, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien affiché sous cette vidéo. Nous arrivons à la 10e conférence. Et au cours de cette conférence, Inch'Allah, nous allons apprendre les positions de la 3e et la 4e formule de la règle Mufa'ilun. C'est la 4e règle. Donc, comme d'habitude, nous allons voir un petit résumé sur chaque règle qu'on a déjà étudiée dans les cours précédents. Donc, nous avons tout au début la règle mère, qui est la règle fa'il, avec ses deux formules. La formule fa'il avec un nabr sur harakat al-fa, et la formule fa'il avec un nabr sur harakat al-ayn. La formule fa'il gouverne trois positions. La première position, c'est la position takawanat, avec deux harakat ou bien deux harakat et un sukun. Donc la suite doit être composée de deux harakat ou bien deux harakat et un sukun. Bien sûr, avec la condition que la première lettre, eh bien la lettre initiale, soit une lettre alphabétique essentielle, harfu mabna, y compris bien sûr les deux prépositions qui sont lam al-jar et ba al-jar, si elles sont attachées à un pronom infixe ou bien la forme d'interrogation ma al-istifhamiya, et aussi al-kaf si elle est attachée à ma al-masdariya, donc on les considère comme étant harfu mabna. Et on applique cette règle qui est la règle takawanat. La deuxième position, c'est la position où la suite qui est formée de deux harakat ou deux harakat sukun se trouve à la fin du mot. Et la troisième position, nous avons la position où la première suite, elle est formé de deux harakets ou bien deux harakets sukun, avec bien sûr la condition que la première lettre soit une lettre, soit une conjonction de coordination qui est al-waw, harf al-atf, plus suivi par lam al-tawkid. Et nous avons deux exemples uniquement au niveau du Coran. Ces deux exemples sont wal al-akhirah, wal al-dar. La deuxième formule, qui est la formule fa'il avec un nabr sur harakat al-ayn, gouverne quatre positions. La première, si la suite initiale est formée de deux harakat sukun, à condition bien sûr que la deuxième lettre ne soit pas lam at-tawkid. La deuxième position, si la suite du milieu d'un mot est en forme de deux harakat sukun. Et la troisième position, si la suite dans un mot est en forme de deux harakat sukunan ou plus. Donc, on appelle cette position « ayyan kana mawdi'uhu ». Quatrième position, si une particule participe à la formation de la suite de « harakat sukun ». C'est-à-dire, au début d'un mot, on retrouve là une particule et qui participe à la formation de deux « harakat sukun » tout au début. Bien sûr, là, il y a une exception. On exclut ici les prépositions qui sont lam al-jar ou bien ba al-jar si elles sont attachées à un pronom affixe ou bien la forme d'interrogation ma al-istifhamiya ou si al-kaf si elle est attachée à ma al-masdariya. Étant donné que ces trois prépositions, on les considère
Dans ce cas particulier, on les considère comme étant huruf al-mabna et elles font partie de la première position de la première formule. Deuxième règle, qui est la règle fa'lun, qui est formée généralement de deux harakets avec l'insertion d'un sukun entre les deux harakets. Donc, il y a deux formules. Nous avons la formule fa'loun et la formule fa'loun. Donc, pour ce qui est de la formule fa'loun avec un nabr sur harakat al-fa, il y a deux positions. La première position, c'est la position takawanat, et le mot est formé de la suite haraka sukun haraka ou bien haraka sukun haraka sukun. La deuxième position, si la suite finale est en forme de haraka sukun haraka ou bien haraka sukun haraka sukun, et le mot est composé de plusieurs suites. La deuxième formule, qui est la formule fa'loun avec un nabr sur harakat al-lam, donc elle gouverne quatre positions. La première, si la suite initiale est en forme de haraka sukun haraka sukun et le mot contient plusieurs suites. La deuxième position, c'est la suite du milieu du mot, toujours avec une suite composée ou bien formée de haraka sukun, haraka sukun. La troisième position, c'est la suite est en forme de haraka sukun, haraka sukunan, ayan kana mawdi'uh, quelle que soit sa position. La quatrième position, c'est la position qui caractérise la règle fa'loun. C'est et qui appartient bien sûr à la formule fa'loun avec un nabr sur harakat al-lam, c'est la position qu'on appelle la position de partage, taqasamat. Taqasamat. Donc, si deux mots se partagent, la suite haraka sukun, haraka sukun ou bien haraka sukun, haraka sukunan. On arrive maintenant à la règle fa'ilun. Qui est bien sûr caractérisée par la couleur verte et elle se présente toujours ou bien elle s'applique lorsque nous avons trois harakets. Donc là, on va rajouter une haraka. Nous avons trois harakets. Pour ce qui est de cette règle, nous avons trois formules. La formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa et la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-ayn et la dernière formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam. Pour ce qui est de la première formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa, elle gouverne deux positions. La première, si le mot est takawanat, il est composé de trois harakat ou bien trois harakat et un sukun, à condition bien sûr que la lettre initiale soit une lettre alphabétique essentielle qui est harf al-mabna, y compris les prépositions al-ba et al-lam si elles sont attachées à un pronom affixe. Deuxième position, si la fin du mot est composée de trois harakat sukun ou trois harakat. La formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-ayn, c'est la deuxième formule. Il y a une seule position pour cette formule, c'est si une particule participe dans la formation de la suite trois harakat sukun ou bien trois harakat. Bien sûr, on exclut ici les prépositions al-ba et al-lam, ba al-jar et lam al-jar, si elles s'attachent à un pronom affixe, ou bien la forme d'interrogation ma al-istifhamiya, le mot est considéré comme entier précédé par une particule. La troisième formule, qui est la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam. Cette formule gouverne quatre positions. La première position, c'est la suite initiale du mot est en forme de trois harakat sukun. Et le mot, bien sûr, contient plusieurs suites. La deuxième position, si la suite au milieu du mot est en forme de trois harakat sukun. La troisième position, si la suite est en forme de trois harakat sukunan, quelle que soit sa position. Donc, ayan kana mawdi'uh. Et la dernière position, si trois mots contribuent à la formation de la suite, trois harakat sukun. Voilà pour ce qui est des formules, des trois formules et les positions de chaque formule de la règle fa'ilun.
Maintenant, nous allons voir un petit résumé sur ce qu'on a vu la conférence, la dernière conférence. Donc, nous avons vu les positions de la formule mufa'ilun et les positions de la formule, ou bien l'unique position de la formule mufa'ilun. Donc, pour ce qui est de la première formule, qui est la formule mufa'ilun, avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-ayn. Nous avons trois positions. Cette formule gouverne trois positions. Donc, la première, si le mot est takawanat, est composé de arba harakat sukun, quatre harakat sukun, ou bien quatre harakat. Et la lettre initiale, c'est une lettre alphabétique essentielle, qui est harful mabna. La deuxième position, si la fin du mot est composée de quatre harakat sukun ou bien quatre harakat. La troisième position, si trois mots contribuent dans la formation de la suite, quatre harakat sukun ou bien quatre harakat. Nous avons une petite exception. Si le deuxième mot est lam al-jar, attaché à un pronom infixe, on n'applique pas cette règle. Voilà, donc il y a trois positions pour la première formule. La deuxième formule, qui est la formule mufa'ilun, avec un nabr sur harakat al-fa, elle s'applique uniquement si une particule participe à la formation de la suite arba harakat sukun ou bien arba harakat. Donc, cette règle est appliquée si lam al-jar est attaché à un pronom affixe précédé par une particule. Voilà, ça c'est un petit résumé bien sûr concernant les deux premières formules de la quatrième règle. Nous allons maintenant aborder les deux positions de la troisième formule de la quatrième règle. Donc on va voir aujourd'hui la troisième formule avec ces deux positions, puis après nous allons passer à la quatrième formule avec ces positions aussi. Donc, pour ce qui est de la troisième formule, qui est mufa'ilun, avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-lam. Cette formule s'applique si le début du mot est composé d'une suite de quatre harakat et un sukun, et le mot contient d'autres suites, à condition que la première lettre, donc vous allez voir la première lettre, tout se base ici sur la première lettre. Donc, ou bien c'est une lettre alphabétique essentielle, harfu mabna, ou bien c'est lam al-tawkid, c'est-à-dire elle débute la suite avec lam al-tawkid, et après nous avons, c'est-à-dire la deuxième lettre, c'est une préposition, ou bien la première lettre, c'est une conjonction de coordination, et la deuxième, lam al-tawkid ou bien lam al-ta'lil ou bien une préposition. Donc, nous avons des exemples ici qui vont, c'est-à-dire à travers ces exemples, nous allons comprendre mieux cette règle avec ses conditions. Si on prend par exemple le premier mot qui est khalaqahunna. Donc, qu'est-ce qu'on a au début? Le début de ce mot est composé de quoi? Khalaqahun. Khalaqahun. Donc, quatre harakat sukun. Nous avons harakat al-kha, harakat al-lam, harakat al-qaf, puis après harakat al-ha qui est al-dhamma. Et à la fin, nous avons sukun, nun, al-mushaddada. Donc, tout au début du mot, nous avons une suite composée de quatre harakat et un sukun. Très bien. Nous allons voir maintenant les conditions. Donc, est-ce que cette suite est conforme aux conditions dont on vient de parler? Donc, nous avons à condition que la première lettre soit une lettre alphabétique essentielle, harfu mabna. Et c'est le cas pour cet exemple, parce que harf
la lettre Al-Kha, ici, c'est une lettre alphabétique qui fait partie du mot. Elle fait partie de la composition essentielle de ce mot. Si je vais supprimer cette lettre, donc je n'aurai pas le sens, je vais perdre le sens original du mot. La qahoun, c'est-à-dire si j'enlève al-kha, je vais avoir la qahoun, ça n'a rien à voir avec le sens original du mot. Donc, khala qahoun, c'est il les a créés, les a créés. Donc, la création, on parle ici de la création divine. Al-kha est une lettre essentielle ici pour la composition, ou bien dans la structure de ce mot. Où est-ce que je vais placer un nabr? Du moment que les conditions ici sont au complet, donc un nabr, il est placé au niveau de la première haraka, c'est-à-dire harakat al-kha, puis après la quatrième haraka qui est harakat al-ha. Donc je me positionne ici. C'est cette formule qui est appliquée, qui est la troisième formule. Comment je vais prononcer cette suite? Ben, je vais la prononcer ainsi. Khalaqahun, khalaqahun, mufa'ilun, et non pas khalaqahun, mufa'ilun, et non pas khalaqahun, mufa'ilun, et non pas khalaqahun, mufa'ilun. Donc, j'ai au début prononcé le mot avec un nabr sur harakat al-kha et harakat al-ha. Puis après, j'ai enchaîné avec les trois autres prononciations qui ne sont pas correctes. En plaçant un nabr en premier lieu sur harakat al-kha et harakat al-qaf, c'est-à-dire la première haraka et la troisième haraka, c'est faux, c'est-à-dire suivant la formule mufa'ilun, mufa'ilun, c'est la deuxième qui est là. Je vais la démontrer, celle-là. Puis après, j'ai prononcé cette suite suivant la formule mufa'ilun, mufa'ilun, avec un nabr sur harakat al-lam uniquement. Puis après, à la fin, j'ai prononcé le mot suivant la dernière formule, qui est la formule mufa'ilun. Ici, si je prends cette suite, c'est-à-dire en plaçant un nabr sur harakat al-lam et harakat al-ha, ce qui est faux. Donc, ce qui est juste, c'est de mettre un nabr ou bien de placer un nabr sur la première haraka et la quatrième haraka. Donc, je répète l'exemple ici, c'est khalaqahun mufa'ilun et non pas khalaqahun mufa'ilun et non pas khalaqahun mufa'ilun et non pas khalaqahun mufa'ilun. Si je prononce le mot en entier, donc je dis khalaqahunna. On passe maintenant au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est labisabil. Ou bien, bon, ça c'est si je marque l'arrêt, bien sûr. Si je ne marque pas l'arrêt, je vais dire labisabilin. Labisabilin. Donc, on va voir maintenant la première suite. La première suite de ce mot, c'est labisabi, labisabi. Donc, nous avons les quatre harakat et un sukun dans cette suite. Bien entendu, nous avons harakat al-lam, qui est al-fatha. Puis après, harakat al-ba, qui est al-kasra. Après, nous avons harakat al-sin, al-fatha. Et puis après, nous avons harakat al-ba, qui est al-kasra. Et à la fin, nous avons sukun, Alia.
Ya qui prend bien sûr un soukoun, puisque c'est une ce qu'on appelle ya maddiya. Donc, du moment que j'ai quatre harakat soukoun, nous allons passer maintenant aux conditions. Est-ce que la première lettre ici, c'est une lettre alphabétique essentielle? Est-ce que c'est harfu al-mabna? Non. Étant donné que al-lam ici n'est pas harfu al-mabna. La deuxième condition, donc nous allons voir si elle est conforme à la deuxième condition. La deuxième condition ici, c'est la première lettre peut être lam at-tawkid et la deuxième une préposition. Donc pour ce qui est de cet exemple, oui, la première lettre ici, c'est lam at-tawkid. Elle est suivie par al-ba harful jar. Donc al-ba, c'est une préposition ici. Ba'ul-jar ici, c'est une préposition. Donc, elle est conforme puisque nous retrouvons la deuxième condition dans ce mot. Alors, comment on va prononcer cette suite suivant la formule mufa'ilun? Donc, on va dire labisabi, labisabi, mufa'ilun et non pas labisabi mufa'ilun et non pas labisabi mufa'ilun et non pas labisabi labisabi mufa'ilun. Comment je vais prononcer le mot en entier? Alors je vais dire labisabilin labisabilin. Passons maintenant au troisième exemple. Wali Suleymana. Wali Suleymana. Wali Suley. Wali Suley. Vous voyez bien que je prononce cette première suite en plaçant un nabr sur la première haraka et la quatrième haraka. Donc, harakat al-waw et harakat al-lam. Suivant la formule mufa'ilun mufa'ilun wali soulay. Donc ça c'est la prononciation correcte de cette première suite. Voyons voir maintenant pourquoi je la prononce ainsi, parce que nous avons quatre harakat soukoun et la première lettre de cette suite. Ce n'est pas une lettre alphabétique essentielle, ce n'est pas harful mabna, ce n'est pas aussi lam at-tawkid si elle remplit ici la troisième condition. Cette suite, en réalité, elle remplit la troisième condition qui est une conjonction de coordination. Donc, nous avons au début une conjonction de coordination qui est al-waw, waw, harfu al-atf, suivie par al-lam. Ici, LM, c'est une préposition. Donc, ici, ce mot, en réalité, ou bien cette suite, elle est conforme à la règle, puisque nous avons quatre harakat soukoun, et la condition, qui est la troisième condition, étant donné que la première lettre est une conjonction de coordination et la deuxième lettre est une préposition. Donc, pour ce qui est de la prononciation, nous allons suivre bien sûr la formule mufa'ilun wali soulay mufa'ilun et non pas. Donc on passe maintenant aux trois autres prononciations et non pas wali soulay mufa'ilun et non pas wali soulay mufa'ilun et non pas wali soulay mufa'ilun. Donc la prononciation correcte du mot en entier nous donne ce résultat. Wali Suleymana. Très bien, on passe maintenant à la quatrième ligne. C'est le quatrième exemple. Fabihudahum. Alors, si je prononce le mot en marquant l'arrêt. Si je ne marque pas l'arrêt, je vais dire Fabihudahumu, Fabihudahumu.
Comment je vais prononcer cette première suite, qui est composée bien sûr de quatre harakat sukun, et la première lettre ici, c'est une conjonction de coordination qui est harf al-jar, suivie par une préposition qui est ba al-jar, pardon, al-fa hiya harf al-atf. Pardon, c'est une préposition, c'est une conjonction de coordination harf al-atf. Elle est suivie par une préposition qui est al-ba, ba al-jar. Donc là, je suis à quel niveau? Je suis au niveau de la troisième condition. Donc je vais dire Tabihuda, Tabihuda, Mufa'ilun, et non pas. Donc ça, c'est la prononciation correcte de cette suite. Nous passons maintenant aux trois autres prononciations. Donc nous avons Tabihuda, Mufa'ilun. Donc ça, c'est faux. La deuxième prononciation qui est incorrecte, Fabihuda Mufa'ilun. Et la troisième prononciation qui est aussi incorrecte, c'est de dire Fabihuda Mufa'ilun. La prononciation du mot en entier, c'est de dire Fabihuda Fabihudahumu. Fabihudahumu. Voilà. Donc, en appliquant les conditions de cette règle, enfin, on les retrouve, on retrouve pour ces exemples sont conformes à la règle et ses conditions, les conditions de la première position de la troisième formule qui est la formule Mufa'ilun. Nous avons une autre série d'exemples et je vais appeler professeur Rahma pour nous lire ces exemples, Inch'Allah. نعم ولهديناهم ولهدي مفاعل إنهم با ولهدي مفاعل إنهم با ولهدي مفاعل إنهم با ولهدي مفاعل ولهديناهم ولا يمسنكم ولا يمس مفاعل إنهم با ولا يمس مفاعل ينبا ولا يمس مفاعل ينبا ولا يمس مفاعل ولا يمسنكم وليذيقكم وليذي مفاعل ينبا وليذي مفاعل ينبا وليذي مفاعل ينبا وليذي مفاعل وليذيقكم ولأبين ولأبي مفاعل إنبا ولأبي مفاعل إنبا ولأبي مفاعل إنبا ولأبي مفاعل ولأبين. بارك الله فيك بروفيسور رحمة. merci pour cette lecture. donc la même chose pour ce qui est de cette série d'exemples. Vous remarquez la première suite, elle est composée de quoi? Elle est composée de quatre harakat sukun. Puis après, nous avons el-waw, qui est tout au début de cette suite. El-waw, qui est une conjonction de coordination, harfulat. Puis après, elle est suivie ou bien par lam tawkid, ou bien par lam ta'lil, ou bien par une préposition qui est lam al-jar. Et dans tous ces cas, ce sont des cas qui sont conformes à la troisième condition, de cette règle qui est bien sûr qui concerne plutôt la formule mufa'ilun. Passons maintenant à la au conflit. La situation de conflit qui risque d'arriver entre les deux formules qui sont la formule mufa'ilun et fa'lun. Nous avons un exemple concernant ce conflit. C'est le mot wala muli'at
Ah non, pardon, excusez-moi, c'est, je dois prononcer le mot non pas en marquant l'arrêt, mais en faisant la liaison. Donc, c'est Wala Mouli, Wala Mouli, oh pardon, excusez-moi. Wala Mouli Ta. Wala Mouli Ta. Voilà, j'y arrive à la fin. Donc, pour ce qui est de la première suite, elle est formée de quoi? Elle est formée de quatre harakat sukun. Parce que nous avons al-waw qui est accompagnée par une haraka qui est al-fatha, puis après al-lam, elle est accompagnée par harakat al-lam, harakat al-fatha. Nous avons al-mim après qui est accompagnée de harakat al-damma, et après harakat al-lam. Accompagné bien sûr d'une kasra. Et à la fin, nous avons Al-Hamza qui prend le signe diacritique As-Sukun. Donc, en tout, nous avons quatre harakat et un Sukun. Le début de ce mot est formé de quoi? Donc, nous avons Harful-Atf, qui est une conjonction de coordination, Al-Waw, puis après Al-Lam. L'am ici, c'est l'am at-tawkid. Ou bien l'am at-ta'lil. Tout dépend de la fonction de cette lettre. En tout cas, dans les deux cas, cette première suite remplit les conditions de la formule mufa'ilun. Donc, on prononce cette première suite suivant cette formule. Voilà, donc nous avons la solution pour ce qui est du nabr. Où est-ce que je vais placer un nabr par rapport à cette suite? Donc c'est la première haraka et la quatrième haraka. Puis après nous avons Atta à la fin, toute seule. Donc du moment que j'ai une lettre à la fin, donc il faut réfléchir, il faut penser comment je vais prononcer ce mot avec une lettre à la fin qui prend une haraka. Donc, ce n'est pas avec. Je ne prononce pas le mot en marquant l'arrêt. Donc, je fais la liaison avec le mot qui suit après. Et du moment que je risque, c'est-à-dire le lecteur ou bien celui qui récite le Coran risque de mettre un nabr sur cette dernière haraka, donc toujours on fait appel à la formule fa'lun et on va compter avant cette haraka combien de haraka et sukun nous avons. Donc nous avons harakat ta, elle est précédée par sukun al-hamza et elle est précédée aussi, celle-là elle est précédée par kasrat al-lam. Donc nous avons kasrat al-lam, sukun al-hamza et puis fathat al-ta. Donc ce qui nous donne haraka, sukun, haraka. Et puisque j'ai à la fin de ce mot la suite formée de haraka, sukun, haraka, donc je suis en face de quelle règle, quelle formule? C'est la formule fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa. Et donc je dis l'i'ta fa'lun et non pas l'i'ta fa'lun. Et à ce moment-là, nous avons la même haraka qui est partagée par ces deux formules. Donc, la première formule, il y a un nabr sur harakat al-lam, et la deuxième formule aussi, nous avons un nabr sur harakat al-lam. Mais pour ce qui est la deuxième formule, la deuxième formule, elle nous évite en réalité de mettre un nabr sur la dernière haraka. Ce n'est pas le cas pour la première formule. Donc, cette deuxième formule qui est fa'loun, je la préfère mieux que la première formule parce qu'elle me solutionne un problème qui est cette problématique de me retrouver en train de placer un nabr sur la dernière haraka. Et c'est pour cette raison que, en fin de compte, c'est-à-dire le résultat du conflit entre ces deux formules nous donne ce mot. Et vous remarquez bien, la première haraka, elle est en couleur orange. Ça veut dire qu'elle fait partie de la formule mufa'ilun.
Et la deuxième haraka qui est lam, eh ben, elle perd sa couleur qui est couleur orange et je vais la remplacer par la couleur bleue. Donc la formule fa'loun et je vais prononcer le mot ainsi. Wala mouli'ta, wala mouli'ta. D'accord? Donc en mettant, en plaçant un nabr sur la première haraka suivant la formule mufa'ilun et la deuxième haraka, je vais la prononcer suivant la formule fa'loun et non pas fa'loun. Donc, je vais dire wala mouli'ta et non pas wala mouli'ta. Je ne vais pas mettre un nabr sur harakatata. Cette deuxième prononciation, elle est incorrecte. Quand je dis wala mouli'ta, c'est faux. Donc, la prononciation qui est correcte et qui est conforme à cette solution de conflit entre les deux formules, nous donne wala mouli'ta. Voilà. Donc, ça, pour ce qui est de cette question de conflit entre les deux formules. Passons maintenant à la deuxième position. La deuxième position qui concerne la règle ou bien la formule mufa'ilun. Donc, elle s'applique, cette formule, lorsque la suite elle est formée de quatre harakat et sukunen. Donc, quand je dis sukunen, directement, vous allez penser à quoi? Vous allez penser à cette situation où on appelle ayyan kana mawdi'u. Mais nous avons une condition. La condition, c'est quoi? C'est que la lettre ou bien la première lettre soit ou bien une lettre alphabétique essentielle, harfu mabna. Deuxième condition, enfin, c'est cette condition ou bien. Donc, ce n'est pas cette condition et, parce que c'est impossible. Toutes ces trois conditions qui sont là, énumérées ici, ne peuvent pas se regrouper en une seule fois. Donc, on ne peut pas les retrouver. Donc, ou bien nous avons la première lettre, c'est une lettre, c'est lam taoukid, et la deuxième, c'est une préposition. Ou bien, en troisième lieu, c'est une conjonction de coordination. C'est une conjonction de coordination et la deuxième lettre, c'est lam taoukid ou bien lam ta'lil ou bien une préposition. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sont les mêmes conditions qu'on vient d'énumérer concernant cette forme, la première position qui est la première, c'est-à-dire au niveau de la première suite. C'est ça, la suite initiale. Donc, quand on parle de la suite initiale, on a ces mêmes conditions. Pareil aussi pour la position ayyan kana mawdi'u. Donc, nous avons, c'est l'une de ces conditions qu'on devrait retrouver au niveau de ces exemples. Donc, lorsqu'on va prononcer ces mots, on va les prononcer en marquant l'arrêt. Et juste une petite remarque, tous ces mots ne sont pas récités, c'est-à-dire ils ne se présentent pas au niveau du Coran en marquant l'arrêt. C'est-à-dire, c'est juste pour vous donner un aperçu sur la position, les positions de cette formule, dans le cas où, lors de votre récitation, vous marquez l'arrêt au niveau de ces mots. Donc, on prend le premier exemple qui est ajalahun. Ajalahun. Donc, ce mot, si je le prends en termes de harakat et de sukun, il est formé au début de quatre harakat et à la fin du moment que j'ai marqué l'arrêt. Donc, nous avons deux sukun à la fin. Donc, je vais le décomposer ce mot en harakat. Donc, nous avons harakat al-hamza qui est al-fatha, suivi par harakat al-jim qui est al-fatha aussi, harakat al-lam al-fatha, puis après harakat al-ha qui est al-dhamma. Et à la fin, nous avons al-noun al-mushaddada. C'est une lettre doublée
Quand je marque l'arrêt sur cette lettre, nous avons le premier sukun, puis après le sukun, le deuxième sukun, parce que j'ai marqué l'arrêt au niveau de, c'est-à-dire en termes de prononciation. Donc, j'ai quatre harakat et sukunan. La première lettre ici qui est al-hamza, c'est une lettre alphabétique, harfu mabna et non pas harfu ma'na. Donc, je suis à quel niveau? Je suis à ce niveau-là. Une lettre alphabétique essentielle. Harfu al-mabna. Du moment que ce mot en entier, il est formé de quatre harakat sukunan. La première lettre est une lettre alphabétique. Donc, à ce stade-là, je vais directement appliquer cette règle qui est la troisième règle. Je vais dire ajalahunna mufa'ilun et non pas. Donc, on passe maintenant aux trois prononciations qui sont incorrectes. Et non pas ajalahun mufa'ilun et non pas ajalahun mufa'ilun et non pas ajalahun ajalahun mufa'ilun. Donc je répète la lecture. La prononciation qui est correcte de ce mot en marquant l'arrêt et non pas en mettant la liaison. Donc, je vais dire ajalahun mufa'ilun et non pas ajalahun mufa'ilun et non pas ajalahun mufa'ilun et non pas ajalahun ajalahun. Voilà. Donc, ça pour ce qui est de la prononciation de ce premier exemple. Pour le deuxième exemple, nous avons Walitakoun. Walitakoun. Donc, nous avons quatre harakat, puis après deux sukoun. Au début, nous avons Al-Waw, qui est une conjonction de coordination. Puis après, nous avons Al-Lam. C'est la deuxième lettre. Donc, ça peut être Lam Talib ou bien une préposition. Donc, dans les deux cas, nous avons la troisième condition qui est remplie ici. C'est une conjonction de coordination suivie par une deuxième lettre, ça peut être la matalil ou bien une préposition. Donc, c'est une, donc comme elle vient de me le dire, professeur Rahma, c'est la matalil. Très bien. Donc, comment on va prononcer ce mot? On va le prononcer ainsi. Walitakoun mufa'ilun et non pas walitakoun mufa'ilun. Et non pas walitakoun mufa'ilun et non pas walitakoun mufa'ilun. Donc vous voyez la différence entre les deux lorsque je dis mufa'ilun et la dernière prononciation qui est mufa'ilun. C'est entre ces deux mufa 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 mufa. Pareil pour le mot wali 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 wali. Donc vous voyez l'intonation, elle change complètement entre les deux. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Eh bien, c'est le fait qu'il y a un nabr sur la première haraka ou bien un nabr sur la deuxième haraka. Donc, un nabr, il est sur, on le place sur la première haraka et non pas la deuxième haraka. Donc, on dit « walitakoun mufa'ilun » et non pas « walitakoun mufa'ilun » et non pas walitakoun mufa'ilun et non pas walitakoun mufa'ilun. Troisième exemple, c'est le mot labi imam mufa'ilun. Donc
Pourquoi j'ai dit mufa'ilun? Pourquoi j'ai mis le nabr sur harakat al-lam puis après sur harakat al-mim? Parce que, premièrement, nous avons quatre harakat et deux sukun, donc ça, c'est indiscutable. Puis après, nous avons quelle condition? C'est la deuxième condition. Pourquoi la deuxième condition? Parce que la première lettre, c'est lam al-tawkid. Elle est suivie par une préposition qui est ba al-jar. Donc, je dis labi imam mufa'ilun et non pas labi imam mufa'ilun et non pas labi imam mufa'ilun et non pas labi imam mufa'ilun. Dernier exemple, c'est le mot وليقول وليقول مفعل et non pas وليقول مفعل et non pas وليقول مفعل et non pas وليقول مفعل. Voilà, c'est tout pour ce qui est de cette position. Cette deuxième position qui concerne la formule mufa'ilun. Donc, ce sont ces exemples-là que, à travers ces exemples, que vous allez bien sûr comprendre cette deuxième position. Donc, pour ce qui est de cette formule, donc nous arrivons à ce petit résumé. Le résumé des positions qui concernent cette formule, la formule mufa'ilun. Donc, la première position, c'est quoi? C'est si au début du mot, nous retrouvons la suite 4 harakat sukun, pardon, 4 harakat sukun, à condition que la première lettre soit ou bien une lettre alphabétique essentielle, ça veut dire harfu mabna, ou bien la première lettre, c'est une lam at-tawkid avec suivie par une préposition. Ou bien, la troisième condition, que nous ayons une conjonction de coordination, puis après, c'est-à-dire suivi par lam at-tawkid ou bien lam at-ta'lil ou bien une préposition. La même chose, les mêmes conditions qui sont appliquées pour la deuxième position. La seule différence, c'est que la suite n'est pas formée de quatre harakat sukun, mais plutôt de quatre harakat sukunan. D'accord? Donc, la première, c'est 4 harakat sukun. La deuxième, c'est 4 harakat sukunan. Les conditions ne changent pas. Nous avons la première lettre, ou bien c'est une lettre alphabétique, c'est-à-dire harfu mabna. La deuxième, ou bien la première lettre, c'est lam at-tawkid, suivie par une préposition. Troisième condition, si nous avons au début une conjonction de coordination, suivi par lam at-tawkid ou bien lam at-ta'lil ou une préposition. Voilà, donc c'est tout pour la troisième position qui est, pardon, la troisième formule qui est la formule mufa'ilun. Maintenant, nous allons voir les positions de la quatrième formule. C'est la dernière formule de la quatrième règle. On va débuter bien sûr avec la première position de cette formule. Donc, cette formule s'applique lorsque la suite comporte quatre harakat et sukun et le mot contient plusieurs suites. Donc, quand je dis la suite, c'est le début, hein. La première suite du mot. La première suite du mot est formée de quatre harakat sukun. À condition, donc nous avons là une condition. Donc pour ce qui est de cette condition, c'est la lettre initiale ne doit pas être une lettre alphabétique. Donc vous voyez, c'est le contraire de ce que nous avons vu pour la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-lam. Donc, pour ce qui est de cette formule, qui est la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam, la première lettre ne doit pas être une lettre alphabétique. Ce n'est pas harfu al-mabna. Et, non, ici nous avons et non pas ou. Donc, et. Donc, nous avons deux conditions
qui doivent se réunir. Et la deuxième lettre ne doit pas être lam at-tawkid ou bien lam at-ta'lil ou bien une préposition. Donc nous allons vérifier ces deux conditions dans les exemples qu'on va voir ici dans cette colonne. Le premier mot ou bien le premier exemple, c'est afara'aytum, afara'aytum, afara'ay, afara'ay. Donc là, vous, si vous si vous me prêtez bien attention, donc vous allez remarquer que je mets un nabr sur les deux harakat qui sont harakat al-fa, la deuxième haraka, et harakat al-hamza, qui est la dernière haraka dans cette suite. Athara ay, athara ay, mufa'ilun. Pourquoi je mets un nabr sur harakat al-fa et harakat al-hamza à la fin? Premièrement, j'ai quatre harakat sukun, ça c'est clair. Deuxièmement, on va voir les conditions. La première lettre, la lettre initiale, ne doit pas être une lettre alphabétique. Harfu mabna. Donc, ici, nous avons al-hamza. Al-hamza, c'est quoi? C'est, en réalité, c'est une forme d'interrogation. Ici, on s'interroge. Donc, il y a une hamza au début, puis après. Donc, ce n'est plus une lettre alphabétique, c'est une particule. Donc, la première condition, elle est là. On va voir maintenant, et la deuxième condition. La deuxième condition, la deuxième lettre ne doit pas être lam at-tawkid ou bien lam at-ta'lil ou bien une préposition. Oui, en réalité, ce n'est pas une préposition. Elle fait ici, c'est une conjonction de coordination. Donc, les deux conditions réunies, nous les retrouvons ici dans ce mot, dans cette suite, la première suite formée de quatre harakat sukun. La première lettre, ce n'est pas, ou bien la lettre initiale, n'est pas une lettre alphabétique essentielle, ce n'est pas harful mabna. Deuxième lettre aussi, n'est pas alam al-tawkid, n'est pas alam al-ta'lil, et ce n'est pas une préposition. Donc, dans ce cas-là, nous allons bien sûr appliquer la formule qui est la formule mufa'ilun, athara'ay, athara'ay, mufa'ilun, et non pas. Donc, on va suivre maintenant avec les trois prononciations qui sont incorrectes. Donc, et non pas. Nous avons la formule qui est mufa'ilun, mufa'ilun. Donc, je vais prononcer cette suite. Afara'ay, afara'ay. Vous voyez, c'est différent par rapport à l'intonation. Et non pas, donc la troisième formule qui est mufa'ilun. Afara'ay. Et non pas, donc on ne va pas la prononcer suivant la troisième formule qui est mufa'ilun. Afara'ay. Voilà. Donc vous voyez là, une suite formée de quatre harakat et un sukun. On peut la prononcer de quatre façons différentes, mais nous avons une seule formule qui est correcte ici, c'est la quatrième formule. Donc, en plaçant un nabr bien sûr sur la deuxième haraka et la quatrième haraka. Donc, pour cet exercice, nous allons prononcer cette suite suivant la formule qui est correcte, puis après, nous allons prononcer cette même suite avec les trois formules qui sont incorrectes. Donc, je dis « Atharaay mufa'ilun » et non pas « Atharaay mufa'ilun » et non pas « Atharaay mufa'ilun » et non pas « Atharaay mufa'ilun » « Atharaaytum » Deuxième exemple « Fatadharuha » فتذروها فتذرو مفعل donc pourquoi je dis مفعل pourquoi j'ai pas prononcé suivant la deuxième la troisième formule ou bien la deuxième formule pourquoi c'est la quatrième formule parce que
Bien entendu, nous avons quatre harakat sukun au début de ce mot, puis après, nous avons, on va voir les conditions aussi. La première lettre, c'est, est-ce que c'est une lettre alphabétique essentielle? Non, puisqu'elle fait ici, c'est une conjonction de coordination, donc c'est une particule. Deuxième condition, la deuxième lettre, est-ce que c'est lame taoukid ou bien lame ta'lil ou bien une préposition? Non, c'est une lettre alphabétique qui est essentielle dans la composition de ce mot. Tadarou, tadarou, donc c'est une lettre qui n'a rien à voir avec lame taoukid, qui n'a rien à voir avec les prépositions. Et à ce moment-là, à ce stade, nous avons les deux conditions qui sont réunies ici. Et c'est pour cette raison que je prononce cette suite suivant la formule mufa'ilun fatadharu et non pas fatadharu mufa'ilun et non pas fatadharu mufa'ilun et non pas fatadharu mufa'ilun. فَتَذَرُوهَا. Voilà. Donc, pour ce qui est de la prononciation du deuxième exemple. Troisième exemple, c'est وَنَتَجَاوَزُ وَنَتَجَاوَزُ وَنَتَجَا وَنَتَجَا مُفَعِلٌ et non pas وَنَتَجَا مُفَعِلٌ et non pas وَنَتَجَا مُفَعِلٌ et non pas وَنَتَجَا مُفَعِلٌ وَنَتَجَاوَزُ. Voyons voir le dernier exemple. وَزَكَرِيَّا وَزَكَرِيَّا وَزَكَرِي مُفَعِلٌ et non pas وَزَكَرِي مُفَعِلٌ et non pas وَزَكَرِي مُفَعِلٌ et non pas وَزَكَرِي مُفَعِلٌ. La prononciation du mot au complet, nous allons dire وَزَكَرِيَّا. Donc, vous voyez bien, tous ces mots débutent avec une particule et non pas avec une lettre alphabétique. Ces particules sont suivies par des lettres qui sont complètement différentes de la taoukid ou bien la ta'lil ou bien une préposition. Donc, elles sont conformes à la règle. Et du moment qu'elles sont conformes à la règle, la première suite, on la prononce suivant la quatrième formule qui est « mufa'ilun ». Je vais appeler professeur Rahma pour nous lire aussi ces exemples, Inch'Allah. أفرأيتم أفرأي مفاعل ينبا أفرأي مفاعل ينبا أفرأي مفاعل ينبا أفرأي مفاعل أفرأيتم فتذروها فتذروا مفاعل ينبا فتذروا مفاعل ينبا فتذروا مفاعل ينبا فتذروا مفاعل فتذروها ونتجاوز ونتجا مفاعل ينبا ونتجا مفاعل ينبا ونتجا مفاعل ينبا ونتجا مفاعل ونتجاوز وزكريا وزكري مفاعل ينبا وزكري مفاعل ينبا وزكري مفاعل ينبا وزكري مفاعل وزكريا. بارك الله فيك بروفيسور رحمان، merci pour cette lecture. Voilà, nous allons maintenant passer à la deuxième position de la formule مفاعلون. La formule مفاعلون s'applique si la suite au milieu du mot est formée de quatre harakat et un sukun.
quatre harakat et un sukun, c'est-à-dire précédé et suivi par d'autres suites. Donc, quand je dis la suite, elle est au milieu, bien évidemment, on comprend qu'il y a une suite au début et bien sûr, il y a une autre suite à la fin de ce mot. En réalité, nous avons un seul exemple dans le texte coranique. C'est le mot Nulzimukumuha. Donc, on va voir maintenant où est-ce que se trouve cette suite qui est au milieu du mot. Donc, c'est celle-là. Zimokumu, zimokumu. On la prononce suivant la formule mufa'ilun. Donc, elle se trouve au milieu. Pourquoi? Parce que nous avons au début la suite nul. Nul au début. On la prononce bien sûr puisque nous avons deux harakat et un sukun. Et c'est au début du mot. On va la prononcer suivant la formule fa'il avec un nabr sur harakat nul. Nul. Et nous avons une autre suite à la fin. Hein? Donc, c'est al-ha. Donc, nous allons voir après comment on va procéder parce que là, nous aurons un conflit avec la formule fa'lun. Mais ce n'est pas notre problème maintenant. Nous allons voir uniquement, c'est-à-dire, c'est juste pour vous expliquer que nous avons une suite au début et une suite à la fin. Et au milieu de des suites, ces deux suites, nous avons une suite formée de quatre harakat et un sukun. Donc, nous avons kasrat al-zay, hein, al-kasra c'est une haraka, et dhammat al-mim, puis al-kaf, aussi, elle prend une dhamma, al-mim, elle prend une dhamma, puis après, nous avons al-waw qui prend un sukun. Donc, nous avons quatre harakat et un sukun qui se trouve au milieu du mot. Où est-ce que je vais placer un nabr ici? Je vais le placer sur la deuxième haraka et la quatrième haraka, qui est el-mim, la première. Puis après, nous avons une autre mim, ici une autre lettre, el-mim, qui prend aussi une dhamma. Donc, je dis zimukumu, zimukumu, mufa'ilun, et non pas zimukumu, mufa'ilun, et non pas zimukumu mufa'ilun et non pas zimukumu mufa'ilun. Voilà, donc ça pour ce qui est de ce mot qui est anul zimukumuha. Donc c'est une seule façon, une seule manière de lire ce mot en appliquant bien sûr la formule qui est mufa'ilun. Et comme je viens de l'expliquer, il y a un seul mot qui remplit ces conditions-là. Ils sont quatre harakat sukun au milieu, au niveau du corps. On passe maintenant à la troisième position de cette formule. La formule mufa'ilun s'applique aussi lorsque la suite est formée de quatre harakat et sukunan. Quatre harakat et sukunan. Quand je dis, et je vais le rappeler, sukunan, ça veut dire que je suis en face de quelle position? C'est la position ayyan kana mawdi'u, quelle que soit sa position. Et nous avons des conditions aussi. Donc, c'est les mêmes conditions qu'on vient déjà d'en parler. Donc, la lettre initiale ne doit pas être une lettre alphabétique, ce n'est pas harful mabna. La deuxième lettre ne doit pas être aussi lam al-tawkid ou bien lam al-ta'lil ou bien une préposition. Donc, nous avons une suite d'exemples ici au niveau de cette colonne. Donc, c'est la même, en réalité, c'est le même exemple qui se répète, la première et la deuxième colonne. Parce que nous allons marquer l'arrêt lors de la lecture. Donc, vous avez la première colonne. C'est le mot tel qu'il est écrit dans le Coran, avec la haraka à la fin du mot.
Et pour ce qui est de la deuxième colonne, c'est la même chose, mais on va tout simplement réciter ces mots en marquant l'arrêt. Alors, comment on va réciter ces mots? Donc, on va déjà voir si les conditions sont présentes ici au niveau de ces mots. Si je prends le premier exemple, wa'arabi, wa'arabi. Donc, nous avons quatre harakats et deux sukun. Pourquoi? Donc, nous avons, alors on va compter le nombre de harakats, harakat al-waw, puis après harakat al-ayn, qui est al-fatha, harakat al-ra, al-fatha aussi, puis après nous avons harakat al-ba' à la fin, qui prend la kasra. Et à la fin de ce mot, nous avons deux sukun, al-ya al-mushaddada, la lettre al-ya qui est doublée ici à la fin. Donc, du moment qu'elle est doublée, je marque l'arrêt. Donc, nous avons à la fin deux sukun. Pour ce qui est de la première lettre, est-ce que la lettre initiale qui est alwaw est une lettre alphabétique harfu mabna? Non, c'est une particule, c'est une conjonction de coordination. La deuxième lettre, al-ayn, ce n'est ni lam at-tawkid, bien sûr, ni lam at-ta'lil, et ce n'est pas une préposition. Ce n'est pas une particule. L'ayn ici, c'est une lettre, c'est harfu mabna en réalité. Donc, nous avons une conjonction de coordination suivie par harfu al-mabna, harfu at plus harfu al-mabna au début de ce mot, ou bien de cette suite, qui est formée de quatre harakat sukun. À ce stade, je vais, bien sûr, puisque les conditions sont réunies ici, donc, je vais appliquer la quatrième formule qui est mufa'ilun. Donc je dis wa'arabi mufa'ilun et non pas wa'arabi mufa'ilun et non pas wa'arabi mufa'ilun et non pas wa'arabi mufa'ilun. Deuxième exemple, wa shafatayn wa shafatayn. Donc, nous avons aussi pour cet exemple quatre harakat et deux sukun à la fin. Et la première lettre, c'est aussi une conjonction de coordination. Ce n'est pas harfu mabna, c'est une particule. Et la deuxième lettre qui est ashin. Donc, ce n'est pas lam taukid ou lam ta'lil ou bien une préposition. Donc, je dis wa shafatayn. Je place un nabr sur harakat ashin et harakat atta, la deuxième haraka. Et la quatrième haraka. Wa shafatayn mufa'ilun et non pas wa shafatayn mufa'ilun et non pas wa shafatayn mufa'ilun et non pas wa shafatayn mufa'ilun. Troisième exemple. La tajidan la tajidan. Donc je dis donc là, je place aussi un nabr sur harakat atta et harakat addal, la deuxième et la quatrième haraka, sur, bien sûr, suivant la formule mufa'ilun, la tajidan, et non pas. Donc, on ne la prononce pas suivant les trois autres prononciations, donc, et non pas la tajidan, mufa'ilun, et non pas la tajidan. Mufa'ilun et non pas la tajidan mufa'ilun. La bonne prononciation, c'est de dire la tajidan, voilà. Avec bien sûr l'runna à la fin, il ne faut pas oublier de faire l'runna. N'oubliez pas aussi de marquer le temps aussi de la runna à la fin. Donc la tajidan, deux temps ensemble. Après, nous avons le quatrième exemple qui est fanabadou, fanabadou, mufa'ilun, et non pas fanabadou, mufa'ilun, et non pas fanabadou, mufa'ilun, et non pas fanabadou, mufa'ilun. Voilà pour ce qui est de ces quatre exemples qui sont conformes aux conditions déjà citées et qui concernent la formule
مفاعلون. Je vais appeler, j'appelle prononce, pardon, j'appelle le professeur Rahma pour lire ces quatre exemples, Inch'Allah. نعم. وعربي مفاعل ينبا وعربي مفاعل ينبا وعربي مفاعل ينبا وعربي مفاعل وشفتين مفاعل ينبا وشفتين مفاعل ينبا وشفتين مفاعل ينبا وشفتين مفاعل لا تجدن مفاعل ينبا لا تجدن مفاعل ينبا لا تجدن مفاعل ينبا لا تجدن مفاعل فنبذوه مفاعل ينبا فنبذوه مفاعل ينبا فنبذوه مفاعل ينبا فنبذوه مفاعل بارك الله فيك بروفيسور رحمة. merci pour cette lecture. nous arrivons maintenant à la fin. donc nous avons les positions de la formule مفاعلون avec un نبر sur حركة الفاء et حركة اللام. donc cette formule gouverne trois positions. la première si le début du mot est formé en deux quatre حركات سكون à la condition que la lettre initiale ne soit pas une lettre alphabétique essentielle, ça veut dire que ce n'est pas harful mabna. La deuxième condition, la deuxième lettre ne doit pas être lam taukid ou bien lam ta'lil ou bien une préposition. La deuxième position, si au milieu du mot, nous retrouvons quatre harakat et un sukun. Quand je dis au milieu, bien sûr, il est précédé par une suite et il est succédé par d'autres suites. Donc, nous avons un seul exemple, nous l'avons vu déjà. Donc, c'est « anulzimukumuha ». Voilà. Pour ce qui est de cette position. La troisième position, si la suite est formée de quatre harakat sukunan, à condition, bien sûr, que la lettre initiale ne soit pas une lettre alphabétique essentielle, et la deuxième lettre ne soit pas l'âme taoukid ou bien l'âme ta'lil ou bien une préposition. Donc voilà, la différence, la seule différence entre la première position et la troisième position, les conditions sont les mêmes, sont similaires. C'est juste que le nombre de sukun diffère. Donc nous avons quatre harakat sukun pour la première position, quatre harakat et sukunen pour la troisième position. Maintenant, nous allons voir la situation de conflit qui risque d'arriver entre les deux formules qui sont la formule mufa'ilun et la formule fa'lun. Si je prends l'exemple, watarakuka, bien sûr, je mets la liaison ici, hein, je ne vais pas marquer l'arrêt lors de la lecture. Watarakuka, si je vais analyser ce mot. Suivant les règles du nabr, les règles du mizan nabri, nous allons voir tout au début, la première suite, elle est formée de quatre harakat sukun. Wataraku, wataraku. Pourquoi c'est la formule mufa'ilun? Parce que nous avons quatre harakat sukun. La première lettre, ce n'est pas une lettre alphabétique essentielle, ce n'est pas harful mabna. Nous avons alwaw ici qui est une conjonction de coordination. Suivi par la lettre ta, et ta, bien sûr, ce n'est pas lam ta'lil, ce n'est pas une préposition. Donc, les deux conditions ici sont remplies. Donc, à ce stade-là, je vais bien sûr appliquer la règle, la formule mufa'ilun. Je prononce cette suite suivant la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat ta et harakat al-kaf. Le même problème se pose ici parce que j'ai une dernière lettre à la fin qui est Al-Kaf accompagnée d'une Haraka. Et je me pose la question, bien sûr, comment je vais prononcer cette dernière Haraka. Donc, comme une règle
on a déjà vu, on ne met pas, on ne place pas un nabr sur la dernière haraka d'un mot. Donc, je dis, je vais faire appel plutôt, pardon, je vais faire appel à la formule fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa'l. Pourquoi je fais appel à cette formule? Parce que ces conditions sont remplies ici. Du moment que j'ai à la fin de, de ce mot, la suite qui est formée de haraka sukun haraka. Donc, harakat al-kaf qui est al-dhamma, ku, puis après nous avons al-waw, harful met, puis après ka à la fin, donc c'est harf al-kaf accompagné d'une fatha. Donc, je dis ku ka, je vais la prononcer suivant quelle formule? La formule fa'lun. Donc, j'ai Kouka ici, suivant la formule Fa'lun. Et là, bien sûr, je vais me débarrasser de ce problème ou bien de cette question qui est est-ce que je vais placer un nabr sur Harakat al-Kaf à la fin ou non? Donc, je dis Kouka et non pas Kouka. Et à la fin, du moment que j'ai réussi à résoudre ce conflit entre les deux formules, Harakat al-Kaf, qui est partagé par ces deux formules, la formule mufa'ilun et fa'lun, retiendra la couleur bleue au lieu de la couleur orange. Donc je dis watarakuka et non pas watarakuka, watarakuka. Donc je ne mets pas un nabr sur la dernière haraka et je vais colorer harakat al-kaf avec la couleur bleue et je vais supprimer bien sûr la couleur orange. Voilà l'exemple qu'on a déjà vu, l'exemple qui est anulzimukumuha, et je vous ai dit il y a à la fin une suite formée de haraka sukun qui est elha, et là nous avons un conflit, donc on va en parler maintenant. Donc, au milieu de ce mot, nous avons zimukumu. Bien entendu, on va le prononcer suivant quelle formule? La formule mufa'ilun. À la fin, nous avons ha. Alors, est-ce qu'on va prononcer le mot ainsi? Anul zimukumu ha. Ha. Est-ce que je vais mettre un nabr sur harakat al-ha? Non. Faux. C'est une prononciation qui est incorrecte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la dernière suite. Je vais demander à la formule mufa'ilun de me prêter une haraka et un sukun à la fin pour que je puisse les rajouter à la suite ha, composée de ha. Et j'aurai à la fin une haraka, un sukun, une haraka et un sukun à la fin. Ce qui est bien sûr conforme à quelle formule? C'est la formule fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa. Vous savez très bien que si je retrouve à la fin d'un mot une suite formée de haraka sukun haraka ou bien haraka sukun, donc là je vais appliquer la formule fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa. Dans cet exemple, je vais mettre l'accent ou bien un nabr sur harakat al-mim. Alors je dis Mouha fa'lun et non pas mouha fa'lun. Et je vais bien sûr me débarrasser de ce problème concernant un nabr sur la dernière haraka. Et la formule qui bien sûr gagnera dans ce conflit, c'est la formule fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons la première haraka qui est al-mim. Al-mim, c'est pas la première haraka, c'est la première lettre al-mim dans ce mot. Elle est colorée avec la couleur orange, c'est-à-dire à la base, elle est prononcée suivant la formule mufa'ilun. Puis après, la deuxième lettre al-mim, la deuxième mim, elle est colorée, elle prend la couleur bleue, suivant la formule fa'lun. Donc, on va prononcer le mot ainsi. Anulzimukumuha.
et non pas nulzimukumuha. Vous voyez la différence? La prononciation qui est correcte, je dis nulzimukumuha et non pas nulzimukumuha. Donc, ça m'évite en réalité l'application de cette formule, m'évite de mettre un nabr sur la dernière harakta. Voilà pour ce qui est de la question de conflit entre les deux règles, mufa'ilun et fa'lun. Donc là, nous avons un résumé global de la règle mufa'ilun avec ces quatre formules. La première formule qui est mufa'ilun avec un nabr sur harakatay al-mim et al-ayn, elle est appliquée si le mot est takawanat, composé de quatre harakat sukun ou bien quatre harakat. Si la fin du mot est composée aussi de quatre harakat sukun ou bien quatre harakat. Et la troisième position, si trois mots contribuent à la formation de la suite quatre harakat sukun ou bien quatre harakat. Nous avons une exception dans le cas où le deuxième mot est une préposition qui est lam al-jar attachée à un pronom affixe. Cette règle, bien sûr, ne s'applique pas. Deuxième formule qui est mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa. Elle est appliquée dans un seul cas si une particule participe à la formation de la suite quatre harakat sukun ou bien quatre harakat. C'est la position qu'on appelle en langue arabe sharaka harfu ma'na. Cette position comporte aussi lam al-jar si elle est attachée à un pronom affixe et précédée par une particule qui est harfu al-ma'na. Troisième formule qui est la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-lam. Donc, nous venons de l'avoir au cours de cette conférence. Donc, nous avons deux positions. La position du début, si au début du mot nous allons trouver quatre harakat sukun, à condition bien sûr que la première lettre soit une lettre alphabétique essentielle, harfu mabna, ou bien la première lettre c'est une lam taoukid et la deuxième c'est une préposition, ou bien la première lettre est une conjonction de coordination et la deuxième lam taoukid ou bien lam ta'lid ou bien une préposition. Nous avons une deuxième position où toutes ces conditions aussi, on les retrouve si la suite elle est formée de quatre harakat sukunan, c'est-à-dire ayan kana mawdi'uh, avec les mêmes conditions qu'on vient de citer. Dernière formule qui est la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa et harakat al-lam. Donc pour ce qui est de cette position, pardon, pour ce qui est de cette formule, elle gouverne trois positions. La première position, si le début du mot est en forme de quatre harakat sukun, à condition que la lettre initiale ne doit pas être une lettre alphabétique essentielle, et la deuxième lettre ne doit pas être aussi une lam taoukid ou bien lam ta'lil ou bien une préposition. Deuxième position, si le milieu du mot est en forme de quatre harakat sukun. Et la troisième position, si la suite est formée de quatre harakat sukunan, avec les mêmes conditions qu'on vient déjà de citer, c'est-à-dire que la première lettre ne doit pas être une lettre alphabétique et la deuxième lettre ne doit pas être lam taoukid ou bien lam ta'lil ou bien une préposition. Voilà donc, c'est tout pour ce qui est de cette règle qui est la règle mufa'ilun avec ces quatre formules. Là, nous avons un schéma global de toutes les règles qu'on vient d'étudier au cours de ces conférences. Donc, c'est un résumé des règles du mizan an-nabri. Nous avons la première formule fa'il caractérisée par la couleur rouge avec ses deux formules fa'il avec un nabr sur harakat al-fa et fa'il avec un nabr sur harakat al-ayn. Nous avons la deuxième règle fa'lun
caractérisé par la couleur bleue avec ces deux formules, fa'alun avec un nabr sur harakat al-fa et fa'alun avec un nabr sur harakat al-lam. La troisième règle qui est fa'ilun avec ces trois formules, fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa, fa'ilun avec un nabr sur harakat al-ayn et fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam. Et la dernière règle, qui est la règle mufa'ilun, la règle caractérisée par la couleur orange, avec ces quatre formules, la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-ayn, la deuxième formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa, la troisième règle mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-lam, et la dernière règle qui est mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa et harakat al-lam. Ici, nous avons une autre sorte de résumé. Donc, dans ce résumé, vous allez voir les positions communes entre toutes les formules des règles du mizan an-nabri. Donc, par exemple, en la première colonne, nous avons la formule, la position, pardon, takawanat et à la fin. Takawanat et à la fin. Donc, on la retrouve dans la formule fa'il avec un nabr sur harakat al-fa. On les retrouve, c'est-à-dire ces deux positions qui sont takawanat et à la fin, au niveau de la formule fa'lun avec un nabr sur harakat al-fa. On les retrouve aussi au niveau de la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa. Et on les retrouve à la fin au niveau de la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-mim et harakat al-ayn. La deuxième position qui est trois mots qui contribuent à la formation de la suite, c'est-à-dire on retrouve cette position uniquement dans les deux formules qui sont fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam et la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakatay al-mim et al-ayn. La position au début et après la succession de deux sukun, c'est-à-dire après tawali sukunan, donc nous avons fa'il avec un nabr sur harakat al-ayn, fa'lun avec un nabr sur harakat al-lam, fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam, mufa'ilun avec un nabr sur harakatay al-mim et al-lam, et mufa'ilun avec un nabr sur harakatay al-mi, al-fa et al-lam. Au milieu, nous avons aussi au milieu, donc c'est une position où on trouve une suite qui se trouve au milieu, c'est-à-dire précédée, succédée par d'autres suites. Donc c'est la formule fa'il, on la retrouve dans la formule fa'il avec un nabr sur harakat al-ayn, fa'lun avec un nabr sur harakat al-lam, la formule fa'ilun avec un nabr sur harakat al-lam, puis après à la fin la formule mufa'ilun avec un nabr sur harakat al-fa et harakat al-lam. L'avant-dernière position, c'est une particule qui participe à la constitution de la suite. C'est la position qu'on appelle « شارك حرف معنى في تكوين التتابع ». Donc, on la retrouve dans la position, dans la formule « فاعل » avec un nabr sur « حركة العين ». La formule « فاعل » avec un nabr sur « حركة العين ». Et la formule « مفاعل » sur « un nabr sur « حركة الفاء ». Très bien, donc à la fin, nous avons la dernière formule, la dernière position qui est cette position de partage de la formule entre deux mots. Donc cette suite qui est formée de haraka sukun, haraka sukun ou bien haraka sukun, haraka sukunan et qui est partagée entre deux mots. Donc on la retrouve uniquement au niveau de quelle formule? C'est la formule fa'alun avec un nabr sur harakat al-lam. Et avec ce résumé global, on vient de clôturer tout ce qui concerne les règles, les quatre règles du mizan an-nabri, la règle fa'il, la règle mère, puis après la règle fa'alun,
puis la règle fa'ilun et la dernière règle qui est mufa'ilun. Nous allons, il nous reste deux conférences en réalité. La prochaine conférence, Inch'Allah, c'est une conférence qui concerne les exceptions. Puis après, nous allons voir la dernière conférence concernera les composés attachés et séparés. J'espère que cette conférence vous a été utile. Je remercie professeur Rahma pour sa participation à cette conférence et professeur Khawla qui est bien sûr parmi nous. Je vous dis à la fin, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de réciter votre Coran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته